tato to te mamutu, to teiti nei, whare mai te hei no te roi to tato wharere ai te pōtapa tinei, ho e noa a tum prorhe tatato e tua tapapa mai i roto i te ewea, te e mo numera i tupa mai no te e ma aitira i tupu inan heira i te whenua nei, narera i te whenua frani, te mo numera i ro amai ia Emmanuel Macron, e tano atu te mo numera i ro amai ia Marine Le Pen. E no te ewea na tato no te ipone, tatato manhini, o te puaraur i te ritei, mero ap or arhei, turu atoa no te pupu tapura huir aitira i turu nei, ia Emmanuel Macron, te puaraur i iorana, arau era taua, e wharere i atue. Emmanuel Macron, te amo whaahau i te tiara aperetitini no te haure pupirita, ma ahuru ma maha noa mataiti, te ye, te piti ahuru maonor ao te peretitini no te hauwharani, piri, pe ahuru mai vain e tāniro te mōreo, i roa ai ana i te piti o te hatuara, e piri, ma ahuru ma piti in ai te hanere, no Marine Le Pen, te aurara, haur i te whaito ahuru ma hitu tei o, e what anei, i nga tino e piti nei. Marine Le Pen, te maraat oara tona reo, ia whaauhia i to te mataiti, piti tawatini ahuru ma hitura, hau hitu tei o, i te taat oara. Are e te whenua nei, mea piriroa ia te mau numera e whaat a e nei i Ngāti Ata o Piti i horo inan heira, pe ahuru ma ho e i te tomav oin e tānere no Emmanuel Macron, e haur i te ahuru ma oin e tānere no Marine Le Pen, e te ohia i roto i Ngāti Ata o Piti nei, toru tawati ni noa reo e whaat a e nei i a raua. Tērā, ia hi o amuihia, papu, hau, piti tawatini reir a reo i roa ai te pupu Rassemblement National ia whaahuia to te mataiti piti tawatini ahuru a mahitura. Ar ea no Emmanuel Macron wa ite hia ia wa ere piri i te aiva tawatini reir a reo i nga pae mataiti i harihia mai e tatu. Ia i jat o me ratatou, wa tupa atoa te numera o te reir at ata i here ma iti i te ie ma iti ra peretiti ni haure pupirita, ma i te e tatatou e i te nei, ma ahuru ma piti toma piti ahuru maono ni ei tānere i te ie ma iti ra, ia wha ahuia i to te mataiti piti tawatini ahuru ma hitura wa tupa ia, wa piriri i te ma ahuru ma hitu ni ei tānere i taua mataiti ra. E o muar ara i tatatou vi ei te eponei, e he o mai tatou i te mo numera i matra mai, ta Emmanuel Macron, ta notu ta Marine Le Pen, narto ye te taimo uiri, po ahur a no tatou, te whaano hia mai, e la i te mauri. Ahi o mai. Emmanuel Macron! Wa manuia o Emmanuel Macron i pir e, pe ahurumav oin eit hanere rio, ma ahurumaho e tomav oin eit hanere na Marine Le Pen. Ai tui mai, mga wau e tindali kohoa te whaito. Rotino amai te ye peristeni Emmanuel Macron et pour un Ariane moto pali mai ne te fai to ho eto ma pa eto mai ta fai ne tsanere moto pali mai ne pa pou mai te dia tara te dia ne to ho te fai ma no hia une pi de ane ne no ya na te fai to pili te no ho ne tsanere pa ho ma ro ne tsanere. I te roar au te ar ino ina pōra, mea hepo hepo te man o te whar or a te mō numera o te thea tumau oi re amutu. I pap e te, tau reo noa te whata e, ia Macron e Le Pen. Iau e wā amu i te tātora te whea e turu nei te paipato e urtu tu tātou whenuma i unei i urtu tu ere no papa e te, ere me atearoa o poti amai o Macron hanere reo i mua ia Marine Le Pen. Eu ete ai faito no ora era o ite mana ai ro tu pai ite i mai tira e ai ai tatu e ha te mo numera ero ame ro tu tita to ora tu tatu fenu a hio tuai ere ane e te tei trate harer au te mana i te hiara wa hau te toru toru hanere mo tata te rawe te ite te ti u tano tu hoia te rei atata te ore hare mati. No reira te pine o te nuna, whai tuito no te mo maati e rahar mene. Wa me papu ia i te mahana, te tato ara e o te reira o tō tau anuna, te hin aro nei te taui. Ifa a Macron te hupoti ai te hatuar a Matamua. Inan heira. Marine Le Pen. O Le Pen vahini tō mua, pe ahurumaho e tō maiva, in eit hanere reo. Te whrani pā te teipura, e oru metua te teipura. Whai te mera tū, harame na tū no te tapea i hao makaro ia mana hau i peretin no te whenua whrani mea papu rome. Te ria pa ia pupu tata te tei. Te vere hoa ia une e te whea o te tapura. E te vere te whea o te Front National, te tei tu mo pupu porta.
Rarumat eyan edit amutu iha amanuya ya Marine Le Pen. Pe ahurumam ha tumaivain et hanerio. Ehi or a i porapora e pe ahurumaunu tuma honuin et hanerio na Marine Le Pen. Te uano ete hiti mahuta to tumia atene ho e pupu mite ie tate pupu tenati arat ehi ame erik minadi tauhin arut oai ha amaru maiten ho aramaitona piaturita nye hoi au. E hin aroto o e pupu atu te ye numera ta mato i go amai te inhana. E te mo pupu atu ano te mea wa hare ati o e ane te mo pupu hei hei ati no te tapri mai no te ho e i roto te iho. I tuho a pē, e pē ahurumahi tūto mamhain e tihanerere o na Macron tāne. Piri, i te ono ahurin e tihanere i mō pē tuamotu i makemo, ware e hia ono ahurumamhain e tihanerere o na Macron. Ya hi o te matahit pitau tini ahuru mahi tu, tamana make mo roto i tapura hui rahatira, hapua i onei ta tona tia maurire ya makara o tramo matahiti. Te matahiti ua hora o avau te tia maara e roto i chui rahatira ma i te tona tia tānei mana ora. E i te hia ua whao te chui rahatira tona mana ora. Emmanuel Macron. Aita e merer ait mo pefinua ina tama te whaitu teiteirua e a Emmanuel Macron unu ahuru mahi tu toma pe ahuru mai vain ai te haneri. Reo. E o papui tato e vainua o Emmanuel Macron in aitona ti ar aperititini no te haure popirita, piri e turto watini reo e fat a era ya rawa Marine Le Pen it fenua nei nuatuara te mua oia i porinetia nei turuhia e te tapura huir atira, taratura e peapea nei raverhei reo i erehia Emmanuel Macron ia fa auhia to te matheiti pitita watini ahurumahitura, korinte heti apatita savea et moho atavirat ohia mai e sandruli. Piri e iwa tautini e pēha nere reo i erehia e Emmanuel Macron ia whauhia i te mataiti piti tawatini ahuru mahi tūra. Numera te iriro e ap ir ana te pērhei. E no te pretiteni Edouard Fritsch, te pue tau fifi o rahi e tātou, te mo fifi i te whare turut a, te teite iau te mautumu i ino ino ai te huir atira i te iemhana. Marine Le Pen! Ua whariro te teipa e mohi apuritana rato. Te prone iau. Umara marama o i te rira. E te amo neau i te hoi tuha a o te rira tuha a, o ia hoi te to te tepa inu inu e ore tara ame mai. Te trara te hio ne, peprone ue tato, e rohi a tato, e fai tutu a tato, no te emo mai te ahara mene. Mar aat oara te moreo a Marine Le Pen in te mateiti. Piri te piti tawatini e ono hanere reo hau, iaf au hia te mateiti piti tawatini ahuru mahi tūra. No te tabini huir atira, ai tate nun a e te aturif ahau i te perhei. Ai te whahau tera paturu a papu i te mata muara. E, umar at o mai hoa e te whaito reo a Marine Le Pen. I roto i ai te mato te aturira ere te hia air ai a mana mai o Le Pen. E pat uir a te ie. Ia ore o Macron, ia hau whahau mei ngai te tiara. No te preti tene o te amuit heir au te nun a maohi e maitir a te ie roto pui te tapura huir atira e tana pupu poritita. I roto i te mau wharerere ai te huir atira, te tāmai te era, te hia ai o te huir atira, e hā mau nara te huru o te whātere au te whenua, e hā tō mātou huru, ai tānei tō utu mana nōra, ai a mātou, te rira te mau tumu pro, ai te rato i promu i te parau, hani o Macron, wai o Macron, e hato hupa tānei rawe, e o Le Pen, wai, ai tā, ere te ria, wa whariro rato, wa whariro te nun, ai te e maitira a whenua nei. Haere i te maure o te mautata te haapa e te maitir a, tarat oa ia te taut or a te maupupu poritita no te iemau mhana i muri, e tupu te maitir a irititure i te ahuru mapiti e te ahuru maivano tiunu i muri nei. E te teme whari rome nei tatato nei manhini, te amui rome rutu pui tatu, te puaraur i te ritei, te puaraur i iorana. Turu oto i te tapura huir atire turu ya Emmanuel Macron, wo papu, wo matara mai, no nga pae matai te harihe ature tatu, ya hi umeira tau e te whenua nei, ai tatu o ia te aroa e te pupua Marine Le Pen. E ha tautu e tape, amai tautu e puahou, no te nei maitira. O ia mau turu te pupu tapura huir atira ia Emmanuel Macron mei hatuar amata mua e te rau mei uputi ar amei te ietia. Ta matu hoi e oa oa nei, te rara wa i te tatu paurua te mau numera, reit ata ti ore te mei, te vera te teituha a ti here mei, te heir ara e ti te mei, te teififitra.
e yahi un ehia te mo numera me te pepu e ye te reira o te mo pupu wa a mui rato no te aro i te tapura huir atira ai taf ahuia in esu i te hu ema itir a peretitini o te hauri pupurita. No mātou wa pāpura ta mātou mo reo, te mo reo hoia turu ya Emmanuel Macron no te whi fautaf ahau te e peretitini ya hare tato i mua i rotu i te ohipa i esu i ana. Whar ohia taman o te peretitini o te tapura huir atira iaura e ma itir a fautua te ye i te whaterer a ta oto i arata irai te mhana trai hoa ta oe to ohi ora. O ia mau, te veira hoa tra pro, no te mea te itera mātou te mou numera, e wa maramarama mātou, no te mea wa whaaro mātou te reo a tuir atira, te parou o te maitira, te reo ia o tuir atira, te harenenia, e te proue a pene e te veira te tei mou tumu pro, te tei mou whaotira, ta uto irave, ai ta mātou i maruru, e na mātou e maiti, na mātou e maiti te mou tia, e whaoti tra mou upuara, e mai te peu ai ta mātou e maruru, ai tahu e mātou e maitif ahau, tra hoia ta mātou e whaaro mei te inei, e ta mātou hoia e ta mātou e tata i, hare whareri tuir atira, no te tatratrar i, te ie mo upuar a, ta mātou i maiti, te ie mo fifi, e no te hare hoia e whareri iaratu. Wai te hea te taimo uire rarhei, e te ahu iara hoi e tawana hea rai te mo tawana ta pura huir atira, mai a papara, mai a purapura at oha ui, a teine pa, te tawana no purapura a hi ai rutui tona hea o uire, e tap o at oanei rātereira, wai te hea te parau no te patia rei, ai taho i te tawana peritititina to tapor arhei i whaari iana i patia, norto mai hoi te whaauera i te whaaterera ahu whenu, eri te rira at oa, te man oi matarawai norto mai te huir atira. Aita, mata amuarua, mon ovo no te mea wa amui. Pourua te mo pupu te hin arone e pato i te tapura huir atira. Apiti, ai ta mātou i tere pine pine i roto i te mo uire, ai te navai, e atoru o yamau. Te vera hoa tra mo tātati ore i maruru, e te hin aro hoia i whaate tra tap o ore i maruru na roto i te ma itira. Hei mea tāua arau anō te piti o te tuho au tātāua nei tāua praura. I te te mei, hi o mei tātou te reir au te tātai maiti, te peretitini Macron. Wahiti mahuta a veitai, te turuhia hoi, e te whaaterer a whenua, wa topar i mai tōna whaito i a whaauhia, i te hatuar a mata mua nuatuara o uia te upotia i te ia maiti rai te whenua nei, te mei te moha papura hauru atu, a tōma teri te poruara ei, tēnu atu ia omiti, kimitete. Merci, chers amis. Chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Président de la République avec 50. Maruru hai to Emmanuel Macron. Warirora maite taif aral ai te tapuru hui latira. Ai te aia te maitira amero apor ai li te ture i te puatura. Ei hei te autonoa o fatata oia i te hemo i te vene roru heu. O e relato i te maureo no te mauire rarhi mei apapete uturua o rea mai ao e au rerei puna auvia. O ai te mai tona whaito i roto i te mauire te hei te harutawatini ta tamaiti i tapuruhia. Franchement, les moyens que nous avons, un million CP pour Aita tamatu fuf a irheirua, no te whaatuku i te porur a politita no te maitir a. Ko i miriuni hau, mi amonia a te tapura. Te perua nei au i te whia maiti e i haif atupu i te oto. Wa i te au e, o oto i ahuru i te ienei. Wa upoti a tātou ahuru mahitu in e tānere mar a tāu enua. In e te whaito e mha ahuru maap au in e tānere. Wa tataituru tato. Ce qui fait que nous avons pratiquement triplé notre électorat. Te faito Emmanuel Macron i pil et euro de prejeteni pe haruma on 800 e te vai uta tamana hia e te ari alfa pe haruma peti 800. Ja muhia te moureo te raru mai te on haru 800. Te numero mai te eroa a o te prejeteni Macron te te mau motuia. I marewa ma te whenua e nata i tua mutuma wa papu te parewe wa riro te tapura mai te teipau e haahia. O no amai tato tu enumera mai te tei. Mitra hawai fa ta o tui faro honei ro tui te ma itira te heira o tumu pupu e fau me nei ta to e aro me nei i te tapura hui atire e aro me nei ho ara yau te heira ora to o ma itira to no te aro mai u fariro ra tui te ma itira e ma itira finu te numero ra hope ro ino toru ho ma ho e oire in e ma ho ro ma o te tapapara hei e ma itia ma krontane o mar ara ho e te faito Marine Le Pen me te pue e hi ofa ho ho nuia e riro re pa ho mor ateie na te ho e tu ho te nun a e te ni ato ara ma ye e fa atano mai te hu pa ho te mai te ra e primeira e respectueux
Umar marma wo iteria ete amo neu ite hu etu ha oteria tu ha o ia ho ite to te tepa ino ino e oritar ame ma titrara te hioni pe proni ite atu e rohia ta tu e faitu tu ata tu no te mo mai ti a harmeni wo ti hu pa no te titau a Macron tan e ti tau te nei ite te politi ta a e e fa tu ko ite ho e no te mai ti e ta ate no hermeni présent je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous. E noa tua, ai tō Marine Le Pen i mana mai i teia mai tira, o i te hiara, o mara a te reira ario i roa ai ana i teia mateiti a whaauhia, i tō te mateiti piti tawa tini ahuru mahetu raini, ai nama ahuru mahetu reira a oire, ahuru mahetu oire, te mai tino te pupura Assemblement National, i te heiti noa nei, e vau oire te mahaere i teitia, hapapura, haiar i tahiata, Roan Puturu, Uber Liao, te anotu ia Rosana mai hota. No te piti o te hatuar a Wamar ar ima i te moreo ma i tino Marine Le Pen i pornitia nei. Te i te pera romat e ma o iei te manuia reir a e mha whenua te ima i ti ana maupiti, popora, taha a e huahine. I popora, ai tai mon ohia er erohia i te iefaito. I roto tmo numera i roa mai te mhana te oa oa. Te oa oa no e te hiti mahau tato. Hiti mahuta in ha oi a teine te tawanao Gaston Thompson, mero te tapura, Oia atua hoi te peritini o te ap or ano pornetia frani a fifiai i roto i tona whenua i te maa itira. No te ietai me, aita te man oi te atura no te horu amai i tāna mou tatarara. Iaura i te mou numera, hitu ahuru in ei te hanere o te taata iha apea i te maa itira. E piti iawir ano popora, te veira anei te maururu ore o te huir atira i tō rātou tāwana, aurera e taua ore tō rātou i te ie maa itira. I Tahiti, e vau oire te maiti a Marine Le Pen, i paea te oaoane te tāwana i te maunumera. Te teipae o tō tātou nuna penei e, wa wharo rātou i pira te tāwana. Ia whaturahi e tāpēr ārtu te maiti rā, no te mea, te veho tōt popa e tōt whrāni tumu, ia maiti rātou i tō rātou pritini. Wāriro atuara te ie e taupupur anō te tāpurahu i rātira. Apear a no te maitir a te pute e haere mai nei, no te mea e, te ipa ea tō rātou e horo i te ap e tiunu o te puaraur i te ritei. Marine Le Pen. I mahi nā, ho ea maerer a no te pupu tāpura huir atira, no atu te tāwana no tō rātou pē o Marine Le Pen te upotia. Are a, i arue e i whaa a, wa manuia atu o Marine Le Pen, e a papur a ia no te motāwana e, te ap e noara te pērhei o te huir atira, ia rātou. Tau rawa hei o anei, te reira o tūra tira i tihanu me maiti. Whāro i te anira e whāe a hapae. Weheo, nā te nuna wharane, maiti tōra tō kretin. Noa tua i tau Marine Le Pen i upo ti a, te whai te maira te mau numera e, te mar anuara te man opat o i te pērhei, i te whenua nei, te huru pea pea rato te tāpura huir a tira i te vai papu orer ai te mau numera, no te e maitir a te pute, e haere maira. E hā te manau o te huira atira no te maitira, iau i te monumera hopea, inanheira, te nei te whaito hauri te peahuru mahetu nei te anero te tata, te ore haere maiti, o mar a, ia whaahuia i to te hatuar a mata mua, te vei nei noa, te vei noa rā, te ore te aturi whaahura, to te mau tātai hoara i to tato mo te aportitate, me te hapapura norto mai, ia te ofanteri tuain et moho atavirihia, e Uber Liao. Te aturir arhei te i o te tata. E whāriu i te mataini e tia tua no te ho e urar a maitatai, ai te ho i te mana oini e te maitir a haure pupita whrāni. Tō mana, ato vai mauru tera mea, maiti opa ina, tō whrāni opa e maiti e tō rātu tō atu piritini. E te mo ipa e tupu nā mua atura, e tā upa e nānāra, ori tanu, e tanu e ko tātu tau i tō tātu mea piritini. Mana whahau mai o Emmanuel Macron, ua ta ahua roa te tata i tō rātu reo, aita te urar ain ura, tere hinua rati fifi. A wamanga mō Makaro, nahe tātou pēja tātou. E te me te auera tātou. Tera e tāe porotura. Nā mua te ipono te mau, tēne mau i tō te rouru. Tietu hei tātou e hat whānaora. E hat whānaora e hatou tātou perikitimi. O whānaho me hei rātou i tāna tātou whānaora. E mō whānaora e te tānaora. No te hamarara tātou e porora hoko e tomoi ni tānere. O hana erudu te parawharitou e pēro tomoi ni tānere. Tia tūra pai a tātou parau, ia pai parau ngai parau e te hare hi opo atu hi pai rawa hi āra.
Ahurumab au matiti to ema emerel, wamu oyaitana tareini, aitata maiti, no name fuf arwa ino in hat upwanai oya, erivait finwafrani, no tanato hapira. Aitatu monoin eite maitira, wam aiti voitu eit auta uit atudir heinei, no te anan heir auto tatu finwa, tenira, natinun ait otir ahop e vetara to maiti. E eret ma notif ahan hanar aya makrotani, e urwa noti puher ai noti amanor ait mutinito, iroto puit fit isult aitat ma aitira im ohia, e uipa fuf atei. Et je suis dit, parce que les petits mais tabouto, tu vois, les favoris de Népro, il y en a un ancien président, tu vois, on a un peu été, pour le tata Harin Yoyan. Wahin aru noa vawe na te ue vahine ea moe te ti ar a preti tenio te uri pupita frani. Not mia mia rei tana hau poi a ea mone iru tui teo e urar a. Mai te pau ai tau le pen vahine manu ia mai te ia ma aitir a, te te aturi ne vetei e horof ahu oia i tum aitir ai muatu. Tere farif ahu mai tatu i tenei, tatato nei ia manhini te puaraur i. E horo atu a oe no te maetira a irititure, maetira a te pite, te ia ave eno tiuni muri nei. Ia wharo oe te mo numera i matara mai, e ha te ro a mai a oe, no te whaininira a oe. Oia vo, e horo vo i rutu i tu apiti, a te vera hoi a te teiman on or a, no te mea te ite meit eira vot numera. Te rara, nenhe tu apro e numera meit eiti, ro ahi a mei i au hora i pa ea, no te mea aite vau tavana, e te reir a reo, to uho ia mou reo. Te rara, iahi o meit en evo, mit au proto arau era wa amui te taimo pupu no te ima itira pere te tini o te hauri pipirita no te aro i te pupu tapura huir atira te ora mea ta e te ma itira mea ta e no te mea ya harin e hia in esho te ima itira iri tuture e rawe hoa ia pauru atimo pupu ta rātou mo reo no te amo hoa ia i te tia ta rātou et unei i mua nahi e oto nahi e et whaininira no te ima itira te rarat whainina hari hoa ia e whare i tuir atira i te hana turu e riba i te tuha ape no te hari whare i te mumutu tuha ape e hari hoa ia e whare i tuir atira mo utua whare proprou ta ua prou e whaite mo opuar a ta ue hin aro e amo i whrani te orare tapura o te ie turuhia i te pupua Emmanuel Macron o ia mau mi ta mātou i prou e parhei mātou me te pēu i maitihia mātou i rutu i te pērhei, te pēhoia e piri a Emmanuel Macron, e ohipa me te ehoia tra, no te mea mō mātou mātou a Emmanuel Macron, e te veira i ravirhei mō upuar a, tā mātou i whainini ena, e tā mātou i hinaro i whahari i mua i pieisho i ana. E hata oe hare prouti wira atira i a whari umai rātou no te maitira i tā oe tapura ohipa? Ati aturi mai no te mea e me tanu e maiti te teiti a e nenhe e amo te prou a porinetia e reo noa wau no te mea e toru mātou e horora e roto e nā tuha e toru e tia e afe e toru irititure no roto e tperhei piri i tperhei e huipa me e hoia no porinetia. Maruru me te ia te poarau i te amuira amuira tupu i tatu i te poa i tatu hoa e proira whaitu tu ia i roto i te tautu ora tautu e whainenera. Maruru me te. E no tātou hui te teme nei, e o mei tātou i te nei te mau numera i roa a mai i nā te a tōpiti nei, nartu oia i tō tātou nei mota. Mtutum parau te ie, te whanohia mai Lorenzo Marama, Raua Ramona Aling. Hamata, nā mua roa nā te mōpahi nua e nāta e enanama. Ionei, wariro mai te pērahia ia Emmanuel Macron, e ono ohuruma hitu tō ma ono ni e te hanereo te mōreo i mai te ana. Harama iei o Marine Le Pen e tō ohuruma piti tō mamaha inia i te hanerei. I te maupaya e tuamutu e maare wama, aitara to e au i te maunumera e tomatoro to noreira, rahi te aturira i te pupu Republic of Mars, e ono ahuru ni e te hanere, e maha ahuru ni e te hanere, na te pupu Rassemblement National. Are ara, ia pauma i tātou i raro atua, i raro matai, au atau i hoa ia te matai, rahi ia te tata, i horo i te pae o Marine Le Pen. I nana hira, ua whaauti e pae ahuru ma maha toma iwa ni e te hanere, e turu i te pupu a Marine, e maha ahuru ma pae toma ho oe ni e te hanere, e turu, ia Emmanuel Macron. Hare atua tātou i raro atua, i te tuha pae. Te hau wahau mai rau Emmanuel Macron, ahuru ma piti teio i mua ia Marine Le Pen. Tera ia te numera, pai ahuru ma hitu toma maha nia te hanere na te tai e maha ahuru ma piti toma ono nia te hanere na te tai atu. Ia amuhiara, te taatu ara au te maureo maiti no ina nahira i Polinesia nei, wa matara mai hoa te ua o Emmanuel Macron, e pai ahuru ma hau e toma e vau i nia te hanere, ane ara o Marine Le Pen, e maha ahuru ma au toma piti nia te hanere ia o te maureo i maiti, iana.
Arera, te ite ato hiara te tahi pairahi o te whea i ore mai ti inan hira. Iau te numera hohora hia mai e te pū o hipa a te tomitara te itei. Tana au hiara e, e pai ahuruma hitu, toma hitu in e tanere, te hapa i te mai ti rainan hira. Tara ratu atoa te wharere rohi atu inan hira e te ofan te rituara ua Melissa Chong no te hapa pumaiha te tunguratu i hapa e te mai tira. Ahi o mai. Mai te pau te iro tō wetei te mōpihā maitira no taimana rā wof oti e ia hai haere maiti. Ai tau e taimehia oip oirua o ia e tawaru e aiam orea no te afeir ai tāna te maiti iro tō i te hoi tataur ahu e rava. Ai te voi haere maiti te hatuar amata mua. Eura e, e te wharirohia, tātou nei, e nun a fof a ore. Ai ta teo whenua e whawha nei tumon o Tuiratira, haura tua whaatku ei tu e upuara. Ai ta voi haere maiti te hatuar amata mua, ai ta tua voi haere maiti no te piti o te hatuara. I te umon o, ai ta voi te aturira i nga ti ai piti huro nei roto i te maitira. Nā reira atu anu papāru nei, wā tāwini teo whrāni roto i ten uf e hau, i te imha nā i tatu na manaoe anana te reirua e haere maiti, inha nōna, ai ta tenun a mauhi, e tāu ahi arei teo whrāni. Aita, ai tu ihare mai di toro a matamu. E nui te e hare rai te atua o hare. No te ha. Ui te eo, ihane me tō te ara, tō rapa e mai. Te wera tā rato mea na e parahiri a tāno tō rato ihane me. Are era tā tātou rato mari. Ihane a rato imi te uhipana rato prauno me heu me mana mea. Aita na afo ime tā tō prau parau. Ihane tō parau. Ihare na tū rato mari e te wera parau tū i te. I te tano. I te mauvahi hor a maa hotu, e pō te on e te ohipa, meaua e nā rātou e hoi a pau te maa, e no aia maa moniti no te whātaam a te utua whare, ai tāt o e teimehia no te haere maiti. Mia rei tā ohipa, ai tai teimehia no te haere maiti no u mea fufa ore. Ai te voi i te ovei tā ue maiti, inha ai tāt ohipa e n'ura, rei whahau mai te fifi. Ante wa re tura meti me te top e te me no tare meti kam ya rai e po to te man e no ni fu fa pai dira ori ai mi fu fa ho ai meti ra ra e no pai na ti te fra re meti i ti hatur amata mua e ono ahuru mai va to ma ahuru ma to ruin e chanere o te fe ya te ori mai ti e na ne ya e pa ahuru ma hitu to ma hitu ahuru ma mai e chanere te ha apai mai ti ra E ham nanan het peper tu tata toni fanhor aman hini tau fe far email o Ibrahim Ahmed Aziz Yasemir Alwardi Evan A ite pano ti orar aporti tai hoy mai nya ite mo numero te mai ti rapriti tin haure puprita itupu inte mana Wate at ota tu pe hope oti ni ana tatu te tum profu fa ita pe mai Emmanuel Macron te peritini ni no te fenua frani no na pa mathai ti hari hatura ita tu ma hurmat hai ti tona o ya te piti hurmonor automat hai ti roto ite hau a republika nei Trahua here ma, hoperua tatatou whanhor anan hei te pō na a vito tap orau aia tatarhau tatatou mōv ea hap o mait. Aftara teo, Ibrahim Ahmed Aziz, tēnā tu ia Carlos Natua. E ta ai tatou, inia i te teimohoho au te whaenini hamai anō tatou. Jaurana o tōna, maruru parean ai hora. Tout à fait, vous au courant des résultats? Oui, avant tout. Mobiliser les énergies, la réunion est terrible.
Bonsoir. Merci d'être fidèle à l'information sur Polynésie la Première. Nous sommes le dimanche 24 avril et vous l'aurez deviné, ce journal sera très largement consacré aux résultats du second tour de l'élection présidentielle. Dans cette édition, nous analyserons donc les résultats locaux des deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier est sorti vainqueur de ce second tour au Fénois, mais la seconde a réalisé un très bon score, meilleur que celui de 2017. Moins de 3000 voix d'écart entre les deux cette année en Polynésie. Nous vous détaillerons les résultats marquants dans les communes de Tahiti, mais aussi dans celles des archipels. Les réactions des personnalités politiques locales ou encore de la population sont à retrouver dans un instant. Pour commenter et analyser la victoire d'Emmanuel Macron sur le plan local, nous recevons en plateau ce soir Tepuarohi Teritei, la présidente du groupe Tapurahuiratira à l'Assemblée de Polynésie française. Merci d'être avec nous. Sans grande surprise, Emmanuel Macron a donc été reconduit dans ses fonctions de chef de l'État. Les résultats ont été sans appel pour le second tour de l'élection présidentielle. Regardez, sur le plan national, près de 17 points d'écart entre les deux candidats, selon les chiffres officiels publiés par le ministère de l'Intérieur. 58,55% pour le vainqueur Emmanuel Macron, 41,45% pour Marine Le Pen, qui gagne tout de même plus de 7 points sur l'ensemble du territoire français par rapport au second tour de 2017. Sur le plan local maintenant, en Polynésie française, la candidate du Rassemblement national a aussi progressé, mais elle arrive toujours deuxième. Emmanuel Macron, au Fénois, a recueilli 51,8% des suffrages exprimés, Marine Le Pen 48,2%. Il y a moins de 3000 voix d'écart entre les deux candidats. Sur le plan strictement comptable, Marine Le Pen a gagné des voix en Polynésie par rapport à 2017, plus de 2500, tandis qu'Emmanuel Macron en a perdu près de 10 000, si l'on compare donc à la période d'il y a 5 ans. Pourquoi un chiffre aussi important? Eh bien, c'est parce que le taux de participation a été très faible. Un nouveau record historiquement bas a été établi, à peine 42%, 42,26% très exactement. C'est 5 points de moins par rapport au second tour de 2017. Voyons donc tout de suite les résultats globaux, les grandes lignes du succès d'Emmanuel Macron en Polynésie. C'est avec Natacha Silagi et toutes les équipes sur le terrain. Je suis Emmanuel Macron, 58,15% des électeurs du vote. Le président de la Polynésie, plutôt content des résultats dans sa commune. Les électeurs ont voté Emmanuel Macron à plus de 58%. La campagne a porté ses fruits. Je suis satisfait des résultats obtenus par Emmanuel Macron ici en hiver. Mais sur l'ensemble de la Polynésie, la participation en hausse semble avoir profité à Marine Le Pen, y compris chez les indépendantistes de Faa, qui avaient pour consigne de s'abstenir, et où le RN l'emporte avec près de 52% des voix. Ça doit être des gendarmes, des professeurs, des gens comme ça. Ils m'ont carrément dit qu'ils viennent faire barrage à Macron. Dans la capitale, résultat très serré sous la pluie, presque du 50-50. Côté Tapura, soutien d'Emmanuel Macron, on s'interroge. On a l'impression qu'effectivement les voix contre Macron se sont unies. Il y a une différence de 100 voix environ entre Macron et Marine Le Pen. Je remercie tous les électeurs de Papeete qui ont bien voulu soutenir Marine Le Pen pour un vote pour le changement, pour sanctionner le gouvernement et même la politique au niveau national également. Marine Le Pen qui l'emporte aussi à Aroué, à Mahina, Paea et Papara. Emmanuel Macron est vainqueur à Punaouya, à Moréa et à Tevaiuta. Grand gagnant aussi aux Marquises dans tout l'archipel. Emmanuel Macron l'emporte avec 67% des voix. Très large avance aussi au Tuamotu. Pour le président candidat, il obtient près de 60% des suffrages face à Marine Le Pen. Marine Le Pen, grande gagnante aux îles sous le vent, où elle obtient près de 55% des suffrages. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont voté pour Madame Marine Le Pen. Aux Australes, Emmanuel Macron l'emporte largement avec 57% des voix. Il confirme ainsi sa victoire en Polynésie française. Et lorsque l'on décrypte les résultats des deux candidats en Polynésie française, dans le camp du Tapurahuiratira, la satisfaction de la victoire d'Emmanuel Macron n'est pas entière, car dans certaines communes qui teintent plutôt sur le rouge, comme Bora Bora, Aroué ou encore Mahina, eh bien c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête, faisant le point avec Ayata Tarahu, Patita Savea et Sandroli.
un scrutin où la tendance s'inverse, à Bora Bora notamment, où le revirement est flagrant. Les 9500 voix perdues par Emmanuel Macron en 5 ans dominent les esprits. Alors cette victoire apparaît comme un triomphe en demi-teinte pour le parti majoritaire. Dans cette victoire, effectivement, il y a un signe fort qui vient des électeurs, c'est une alerte. J'en prends compte et j'assume, parce qu'effectivement, j'en suis en partie responsable de cela en tant que chef de l'exécutif. Mais c'est vrai que je pense que sur le terrain, on n'a pas non plus suffisamment travaillé. Et pendant que certains font scrupuleusement les comptes, d'autres s'attribuent une victoire satisfaisante. Alors que Marine Le Pen était un second choix, Gaston Flosse voit dans son succès et avec désinvolture celle du Amouitheira. Ça a été, je pense, une élection entre le Tapura, présidé par Édouard Fritsch, et le Amouitheira, présidé par nous. Et je pense que c'est ça la signification qu'il faut retenir. Véritable tournant politique ou simple écart, une chose est sûre, ce rendez-vous démocratique intéresse de moins en moins de Polynésiens. On sent que le paysage politique est en train de changer. C'est vrai qu'il y a eu un rebond dans la participation, que le taux d'abstention est quand même assez inquiétant. L'abstention a atteint un niveau inédit. Depuis 2017, le rapport des électeurs à la présidentielle s'est considérablement dégradé. Et pour commenter, analyser et se projeter peut-être sur les résultats de ce second tour de l'élection présidentielle, Te Puaro Iteritei, la présidente du groupe Tapura Huiratira à l'Assemblée de la Polynésie, est notre invitée. Bonsoir Te Puaro I. Bonsoir Maruki, bonsoir à la population qui nous regarde ce soir. Une réaction d'abord sur cette réélection d'Emmanuel Macron en comparaison à 2017, clairement. Par rapport justement à 2017, l'extrême droite a gagné des voix ici en Polynésie française, le Rassemblement national, que ce soit dans l'Hexagone, dans les Outre-mer et donc au Fénois. Est-ce que pour vous, c'est une victoire mitigée d'Emmanuel Macron qui envoie tout de même des signaux? Alors d'abord, en termes d'élection présidentielle, c'est une victoire. On pourra refaire les chiffres, etc. Mais en termes d'élection, dès lors qu'on a la majorité, on gagne. Donc effectivement, à ce moment-là, on peut considérer qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a gagné les élections. Il est le président de la République. Et donc effectivement, nous, le Tapura Huiratira, qui l'avons soutenu depuis le premier tour, sommes heureux de cette victoire. Nous avons quand même la majorité. Après, comme le président vient de le dire à l'instant, le président Édouard Fritsch, nous entendons le message d'alerte qu'il y a à travers les chiffres. On ne va pas se voler la face. La baisse donc pour Emmanuel Macron, près de 10 000 voix, alors que Marine Le Pen en gagne plus de 2 500. Alors, on voit effectivement dans cette baisse une alerte, comme je le disais. Et maintenant, il faut décrypter justement pourquoi il y a cette baisse. Alors, est-ce que c'est uniquement de l'insatisfaction? Je ne le pense pas. Je pense effectivement que beaucoup de gens ne se sont pas déplacés. Comme le président l'a dit, nous n'avons pas assez travaillé sur le terrain. C'est une leçon aussi à retenir parce qu'effectivement, lorsqu'on veut conquérir en campagne électorale, eh bien, il faut faire du terrain, il faut aller rencontrer. Mais nous n'en avons pas fait suffisamment. Vous en faites du terrain dans le cadre des législatives. Ce sont deux campagnes électorales qui se télescopent un petit peu. Est-ce que finalement, votre énergie n'a pas été concentrée suffisamment sur cette élection présidentielle? Alors, pas suffisamment en nombre, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes plusieurs dans le groupe Tapura Huiratira et effectivement, certains ont eu plus de temps que d'autres, plus d'implications par ailleurs. Donc effectivement, nous n'avons pas assez travaillé. C'est la leçon qu'il faut retenir. Donc comme je le disais, il faut retourner sur le terrain pour les prochaines échéances. Il faut tenir compte du message qui nous est adressé et nous l'avons bien entendu. Je pense que le président l'a bien entendu et nous en tiendrons compte. Et vous avez évoqué les maires, nous allons en parler lorsque nous analyserons petit à petit les archipels. En tout cas, Emmanuel Macron a déclaré qu'il est dès à présent une plus le candidat d'un camp, mais le président de tous. Quand on sait que les législatives arrivent et que son parti, c'est le parti de La République En Marche, est-ce que ce discours, qu'il soit le président de tous, est vraiment crédible? Effectivement, c'est quand même le président de tous les Français. Après, effectivement, il aura une majorité qui va le soutenir, mais il sera à l'écoute de tous les Français, comme il l'a dit ce matin. Il ne mettra personne, il laissera personne sur le bord du chemin, et c'est son rôle en tant que président de la République. Après, il défend sa politique, ses idées, soutenues par une majorité, mais ça sera quand même le président de l'ensemble des Français. Et il doit gagner cette élection pour pouvoir avoir le pouvoir législatif aussi accompagné de l'exécutif. Alors, c'est important. Aussi. Effectivement, l'enjeu est là. On voit aussi, on l'a entendu dans les différentes interventions nationales, aujourd'hui, il faut donner au président de la République une majorité qui soit forte
pour qu'il puisse justement mener sa politique et éviter effectivement le plus possible la cohabitation de façon à pouvoir maintenir et garder donc, le cap politique qui s'est fixé. Nous reviendrons encore avec vous, Tipu Araour Itérité. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Et cette question désormais, que pensent les Polynésiens de la réélection d'Emmanuel Macron ou encore du score de Marine Le Pen, de sa progression? Les avis sont bien sûr partagés, comme l'ont constaté Caroline Farit, Théophantir Itoua et Hubert Liaou. La messe est dite. Les fidèles protestants sortent du temple et découvrent les résultats d'une élection sous haute tension. Ici, on attend Emmanuel Macron sur le terrain social. J'espère qu'il va tenir sa promesse. C'est tout ce que je demande. Chose dit, chose faite. Que je demande de chercher un moyen pour nous. Pas, je ne dis pas pour les gens riches, mais pour les pauvres, pour les gens qui ont peu de revenus dans leur foyer, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Plus loin, vers l'hippodrome, entre deux galops, l'aspect environnemental a pesé dans la balance pour peu qu'on ait pu se rendre aux urnes. Je n'avais pas le temps hier, comme je travaille sur l'hippodrome. Et je ne termine pas vite aussi. Moi, ce qui m'a, que j'ai bien aimé, c'est par rapport au rapport du GIEC, qui a montré quand même que niveau environnemental, on est critique. Donc je pense que le choix, il était sur ça aussi. Et je pense que c'est peut-être là-dessus où Macron, il a pu faire la différence. Le dimanche, c'est le jour du cimetière pour bon nombre de Polynésiens, ce qui n'empêche pas d'avoir un avis tranché sur la réélection du président sortant. Les gens, après avoir vécu tout ça, ils nous remettent encore du Macron. Sur tous les réseaux sociaux, on l'a discriminé, ce Macron-là. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il est passé à 3 points. Mais alors. Et en Polynésie, Emmanuel Macron est donc arrivé en tête dans 31 communes. Et c'est surtout dans celles de plus de 5000 inscrits. Et sur ces communes de plus de 5000 inscrits, il n'en a remporté que 5 sur 15. Retour sur les résultats du président réélu avec Heidi Enko. Merci, chers amis, chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer. Il est vainqueur en Polynésie aussi, mais il a perdu plus de 6,5 points en un quinquennat. Malgré sa victoire dans 4 des 7 municipalités comptant plus de 10 000 inscrits, il sort vainqueur dans une seule des 8 communes ayant 5 000 à 10 000 inscrits. Des résultats qui font office de sonnette d'alarme pour le Tapura, soutien officiel du président sortant. Perdant dans 17 communes et surtout vainqueur sur le fil du rasoir avec moins de 55% des voix dans des communes socles comme Papeete, Outuroa, Mouriamaïa ou encore Punaouia. L'objectif initial pour nous, c'était effectivement de faire passer le candidat Emmanuel Macron. Et nous avons travaillé dans ce sens, car avec Emmanuel Macron, nous avons effectivement une bonne programmation des travaux qui restent encore en suspens aujourd'hui et que nous allons continuer avec lui. Donc pour nous, le souci était celui de la continuité. Bien sûr que les scores se sont érodés depuis 2017. Ça a commencé par ma commune, à Pirin, un petit peu. C'est en effet d'une courte tête que Macron gagne à Pirin ou encore à Tevayuta. Le président et l'ex-vice-président du pays ont du mal à mobiliser ne serait-ce que la moitié des électeurs chez eux. Ils totalisent au final moins de 60% des voix. Les meilleurs scores du président candidat sont obtenus dans les archipels des Gambiers, Marquise et Tuamotu. A noter le meilleur élève d'ailleurs, Hikuiru, et ses 85% des voix. Malgré une victoire dans 31 communes, ce sont les plus petites qui viennent conforter le score du président réélu. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Lui s'en sort sur le plan national, mais ici, c'est certainement le vote sanction qui aura fait la différence, tout comme le fort taux d'abstention. Le Pen. C'est une alerte pour le Tapura Huitratira et cette élection est interprétée de différentes façons, suivant les partis politiques. Le dernier, nous avons entendu le Amuitheira, revendique à lui la victoire de Le Pen. Ceci veut dire effectivement, et je l'ai dit hier soir, ceci veut dire qu'effectivement il y a eu là une espèce de conglomérat pour s'opposer au Tapura Huitratira. Les lauriers pour le président Macron, dont le Tapura est désormais privé. Il ne reste au parti rouge et blanc qu'1 mois et demi pour rassembler ses troupes avant les législatives.
48,2% des suffrages exprimés, c'est donc le score de Marine Le Pen en Polynésie. La candidate du Rassemblement national est arrivée en tête dans 17 des 48 communes du Fénois. Elle a recueilli quasiment 40 000 voix. C'est environ 3 000 de moins qu'Emmanuel Macron. Nicolas Suir nous donne quelques détails. À voter. La plupart des communes de Tahiti ont voté en majorité en faveur de Marine Le Pen. À Aroué, Papara, Mahina, La Presqu'île, tous de grands fiefs du Tapura, dénombrent des suffrages en faveur de la candidate. Aux îles Soulevant, seul Rayatea a voté en majorité pour le président sortant. À Bora Bora, par exemple, connu pour enregistrer depuis des décennies des victoires haut la main de son maire, les administrés de Gaston Tongsang n'ont pas suivi les consignes. C'est la surprise de part et d'autre. On ne s'attendait pas du tout bon, peut-être un bureau, deux bureaux, mais là, dans les cinq bureaux, ce sont des chiffres qui parlent. Et puis aujourd'hui, on peut aussi parler de notre joie. Paea et Faaa sont également passés du côté de Marine Le Pen. Les électeurs du parti indépendantiste s'étant en grande majorité abstenus, le vote aurait dû être en faveur d'Emmanuel Macron, selon les consignes du Tapura. Cela n'a pas été le cas. Le maire de Faaa nous donne un indice de réponse. J'ai rencontré pas mal d'électeurs, ça doit être des gendarmes, des professeurs, des gens comme ça. Ils m'ont carrément dit qu'ils viennent faire barrage à Macron. Soutenue par les partis de Tahiti Nena et de New Hope Loret, Marine Le Pen améliore grandement son score du premier tour. À peine 12 000 voix il y a 15 jours, le deuxième tour lui rapporte 28 000 voix supplémentaires. Abstention et vote barrage contre le Tapura ou contre Emmanuel Macron propulsent le parti à un score très proche de celui du président sortant. Pour autant, le représentant du Rassemblement national au Fénois semble un peu déçu. Cette candidate courageuse méritait franchement d'être président de la République. Merci à vous tous et le combat n'est pas fini. Nous sommes partis pour les législatives, pour les territoriales. Donc rejoignez-nous, le Ténati vous attend et nous avons encore de belles victoires à avoir devant nous. Les législatives auront lieu dans moins de 2 mois. Le Rassemblement national compte bien continuer à mobiliser, à l'instar de tous les autres partis. D'ici le 11 juin, date du premier tour, on risque bien de revoir des militants dans nos quartiers. Tepuarori Teritei, on va poursuivre notre interview donc en analysant les résultats commune par commune, ou plutôt d'abord par archipel. Et les îles Soulevant qui ont voté en faveur de Marine Le Pen, alors que les maires des communes comme Taputapuatea, Uturoa ou encore Tumara, Areatea sont du Tapura. Vous pensez que c'est un vote de défiance justement qui s'est produit? Non, pas un vote de défiance, mais comme l'a aussi dit le président tout à l'heure, je reviens sur le mot alerte, hein, il y a une alerte. Et puis, bon, retenir le taux d'abstention, hein, c'est vrai qu'il y a un désintérêt d'abord pour cette élection, après un manque de mobilisation, je l'ai aussi dit tout à l'heure, on n'a pas mobilisé suffisamment, on n'a certainement pas assez fait de terrain, et comme dit le reportage à l'instant en conclusion, vous allez voir des militants revenir, vous allez nous revoir très bientôt sur le terrain, bien sûr. Mais comment expliquer, par exemple, qu'à Bora Bora, on ait un écart aussi conséquent? Bora Bora, qui est dirigé par le maire Gaston Tongsang du Tapura Huiratira, et là c'est Marine Le Pen qui gagne avec plus de 60% des suffrages. Sans focaliser sur Bora Bora, mais d'une analyse tout à fait générale, l'écart de voix est à chaque fois de 200-300 voix selon les communes. Et on l'a entendu dans le reportage sur Bora Bora, justement, la personne disait qu'elle a réussi à allier tout le monde. C'est bien ça, c'est-à-dire que tous les partis, tous les groupes se sont alliés contre le Tapura Huiratira, donc ça a été vraiment une consigne entre eux de pouvoir justement faire barrage au Tapura Huiratira et ainsi cumuler leurs voix contre le Tapura Huiratira. En somme, ça veut dire que c'est le Tapura Huiratira contre tous. Et l'appel à l'abstention du Tavini, vous prenez ça comme justement un face-à-face, une attaque, une prise de position du Tavini en faveur de Marine Le Pen. En tout cas, c'est ce que vous interprétez un petit peu. Il y a eu effectivement une partie du Tavini qui s'est abstenue, mais il y a une partie du Tavini qui est venue voter et qui a voté Marine Le Pen, et en tout cas, c'est ce qui a fait la différence. Et en tout cas, elle était moins de 100 voix d'avance seulement pour Emmanuel Macron, ça aussi, c'est notable. Oui, tout à fait, parce que, je le redis encore, cette alliance, on a vu Tahiti Nena intervenir, donc l'alliance de anti-Tapura a marché, on va le dire. Et puis, bon, maintenant, effectivement, il y a tout le vivier des personnes qui ne sont pas venues voter, qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, effectivement, il s'agit de reconquérir toutes ces voix. Alors, Tepuarori Teritei, dites-moi si je me trompe, mais on a l'impression que cette victoire d'Emmanuel Macron, tout de même, masque un petit peu votre déception des chiffres, du Tapura, en tout cas.
Alors, je ne parlerai pas de déception, hein, parce qu'effectivement, on arrive à avoir la majorité. En tout cas, vous n'avez pas fait assez de terrain. On n'a pas fait assez de terrain, voilà. En fait, il faut avoir assez d'humilité, effectivement, pour reconnaître lorsqu'on n'a pas fait bien les choses. Et puis ensuite, ben, pour l'avenir, réparer et ne pas rester sur les mêmes erreurs. Et nous le ferons, hein, comme je le disais à l'instant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas être déçu, effectivement, quand on gagne une élection. Un de mes pères, à Paea, disait il n'y a pas si longtemps que la majorité, c'est 50% plus une voix. L'essentiel, effectivement, c'est d'avoir la majorité. Après, on peut faire toutes les interprétations, etc. Mais la majorité a une voix. Et c'est pour ça que voter est important. Parce qu'une voix peut faire la différence. Et cette voix vous permet d'être élu. Et nous aurons l'occasion encore de revenir une troisième fois avec vous. Et notamment pour se projeter pour les législatives. En tout cas, vote par affection, vote fidèle au Tavana ou encore vote pour ou contre le Tapura. Comment les îles se sont-elles exprimées? Nous vous proposons un petit tour d'horizon des endroits dans les archipels où les scores ont explosé. Suliane Favnec. Elle est loyale à Marine Le Pen. L'île de Rapa, aux Australes, a préféré la candidate du Rassemblement National à Emmanuel Macron. Marine Le Pen y obtient 73,02% des voix, une redite de 2017 où déjà elle avait réalisé l'un des meilleurs scores en Polynésie. Aux Marquises, en revanche, c'est Macron qui explose les scores. Avec une percée à Fatouiva et Wauka, un vote d'affection après la visite du président en juillet dernier dans l'archipel. Une question qui se pose aussi du côté des Tuamotu, où le candidat est en tête. À Manihi, où il s'était rendu, le président a largement remporté le vote. Après Hikueru, c'est à Turea qu'Emmanuel Macron remporte le plus de voix, avec un score de 73,1%. Les Tuamotu semblent donc être attachés au président tout juste réélu, sauf à Tata Koto, où Marine Le Pen explose les scores. Résultat d'un report de voix des électeurs d'Éric Zemmour, grand gagnant du premier tour et parrainé par le maire de l'atoll. Quant aux électeurs des Gambiers, ils sont restés fidèles en choisissant une nouvelle fois Emmanuel Macron. Même si la présidentielle n'a pas passionné les foules, ce vote suit les consignes du Tapura, soutien officiel du président sortant. La Polynésie a suivi le choix des deux autres collectivités du Pacifique qui font figure d'exception au sein des Outre-mer où Marine Le Pen est la grande gagnante. Projetons-nous désormais vers les législatives. Est-ce que le Tapura, pour ses prochaines élections législatives, va se rapprocher du parti de la République en marche d'Emmanuel Macron? Alors, nous sommes déjà proches, on va dire, de la République en marche, même si nous ne faisons pas partie. Voilà, officialisés, nous n'avons pas officialisé de partenariat. Nous serons des candidats Tapura Huir Atira et lorsque nous serons élus, nous siégerons dans la majorité présidentielle. Vous serez donc candidate aux législatives dans la deuxième circonscription. L'abstention a été la plus forte, hein, si on prend le découpage des législatives pour analyser ce second tour de l'élection présidentielle, plus de 60%. Vous espérez que les électeurs se mobiliseront davantage pour le premier tour des législatives? Alors, je pense que par tradition, de toute façon, pour les législatives, on l'a toujours vu, il y a une meilleure mobilisation parce qu'effectivement, il y a des candidats locaux et ça intéresse beaucoup plus la population. La population voit plus l'intérêt, effectivement, d'aller voter pour des candidats qui les représenteront à Paris. Donc, je pense que indéniablement, ce chiffre augmentera. La participation avait été de 45% dans la deuxième circonscription au second tour des législatives au moment du face-à-face Sankere-Iriti. C'est vous qui remplacez, entre guillemets, Nicole Sankere comme candidate soutenue par le Tapura Huir Atira. En 2017, vous aviez récolté 3500 voix sans étiquette politique, si ce n'est le soutien de Jacques Graff, le regretté maire de Paea. Vous espérez forcément faire mieux. Mais oui, effectivement, à l'époque que j'avais fait, pour être précise, 3509 voix avec le soutien de Tavana Jacques Graff, effectivement. Et là, soutenu par le Tapura Huir Atira, j'espère effectivement que nous ferons mieux. Et je le crois fortement parce que je sais que nous nous mobiliserons. Je sais que les maires qui me soutiennent se mobiliseront, que nous ferons du terrain et que nous rencontrerons la population, ce qui fera forcément augmenter ce chiffre. Et vous ferez le tour justement de la deuxième circonscription à partir notamment de la semaine prochaine. Vous serez aux Australes. Merci beaucoup. On retiendra donc cette satisfaction sur la victoire d'Emmanuel Macron en Polynésie, mais que vous interprétez les résultats comme une alerte, un message donc en vue des législatives. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il analysera les résultats de la présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron. Semir Alouardi, le politologue et maître de conférences, sera l'invité café d'Ibrahim Mohamed Azizi en radio demain matin, peu après 7 heures. Et pour faire un point global sur les Outre-mer désormais, sachez que Marine Le Pen a réalisé de meilleurs scores si l'on compare à son adversaire Emmanuel Macron. Elle est arrivée en tête en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte. Et c'est le Pacifique
qui sauve quelque peu les résultats du président désormais réélu. Les détails avec nos confrères d'Outre-mer La Première. Marine Le Pen s'impose largement en Outre-mer face au président sortant, Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement national obtient 69,6% des voix en Guadeloupe. Une tendance qui se vérifie en Martinique où elle réalise un score de 60,8%. Des chiffres sensiblement identiques en Guyane où elle l'emporte avec 60,7% des suffrages. L'électorat mélenchoniste semble s'être reporté plutôt en faveur de Marine Le Pen. À noter que ces trois départements avaient massivement voté en faveur d'Emmanuel Macron en 2017. Dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la candidate du Rassemblement national s'impose également avec un score de 55,4%. Idem à Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle obtient 50,7% des voix. Dans l'océan Indien, Marine Le Pen recueille 59,6% des voix à La Réunion et confirme à Mayotte avec 59,1% des suffrages. L'actuel chef de l'État redresse la barre dans le bassin Pacifique grâce à la Nouvelle-Calédonie avec un score de 61%, mais plus de 65% des électeurs se sont abstenus suite à l'appel au boycott des partis indépendantistes. En Polynésie, Emmanuel Macron s'impose d'une courte tête avec 51,8% des suffrages. Il l'emporte enfin à Wallis et Futuna avec 67,4% des voix. Ce scrutin restera toutefois marqué par un taux d'abstention en Outre-mer bien supérieur à celui de la métropole. Retour à Tahiti. Si certains ont voté à la première heure hier, d'autres ont préféré passer du temps en famille et entre amis. Comme ici à Mataiea, lors de la course de à Matahere, les abstentionnistes sont nombreux à avoir priorisé les bords de plage. Le reportage de Mélissa Chong. Si Taimana a revêtu la casquette de coach de Va'a, il a laissé celle du citoyen au vestiaire. Cet habitant de Mo'orea ne se sent pas concerné par les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Au premier tour, je ne suis pas allé voter, hein, parce que c'est quand même, on nous prend un peu pour des pingouins, hein, comme on dit. Et je pense que on fait passer d'abord des projets et par la suite, on en parle au peuple. Alors que c'est l'inverse, hein, il faut en parler d'abord au peuple. Même constat pour René qui préfère s'abstenir lors de ce second tour. Chacun a son avis, mais moi, je ne vais pas. Non, je ne vais pas aller voter. Je n'ai pas été au premier tour et je n'ai pas l'intention d'aller au deuxième tour. Alors pourquoi ? Honnêtement, aucun des deux candidats ne m'inspire confiance. Plus loin, en bord de route, le stand de Mapécho d'Olivia a du succès. Résultat, elle n'est pas sûre de déposer son bulletin dans l'urne. Je ne peux pas voter et je ne sais pas si je vais aller voter parce qu'il y a avec tout ce que il y a plein de clients et puis il n'y a pas le temps. Pour moi, franchement, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas quel parti il faut choisir parce qu'à chaque fois que tu votes pour un parti, rien ne s'améliore, au contraire, ça empire ici. Et du coup, je ne suis pas aussi intéressée de voter. La côte ouest compte donc quelques abstentionnistes. Pour rappel, 70% de la population n'a pas voté lors du premier tour de l'élection présidentielle. Dans notre rubrique dominicale du Fénois d'avant, nous nous replongeons dans les archives du 29 juillet 2003, au moment de la visite officielle en Polynésie française du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Jean-Paul Ipos nous refait vivre ce moment. Le terme historique étant galvaudé, il faudra certainement en trouver un autre pour qualifier les trois jours de visite présidentielle que vient de vivre la Polynésie. Une visite au pays des Vahiné, en plein milieu de l'été européen, qui ne choque en rien les spécialistes chiraciens nationaux. Jacques Chirac a à peu près fait le tour du monde. Il manquait cette étape dans ce petit bout de terre français, à l'autre bout du monde. Même quand il n'est pas en terre chiracienne, Jacques Chirac n'est pas très différent du Chirac que vous voyez aujourd'hui. Le président de la République, par tempérament, par nature, et puis aussi sans doute par stratégie politique, aime aller au-devant des gens, il aime les écouter, il aime leur parler, il aime leur poser des questions. Donc il n'est pas différent ici d'ailleurs.
Mais ce qui est certain, c'est que Jacques Chirac avait à cœur de conforter les partisans de l'autonomie renforcée. Quelques semaines après l'adoption de ce projet de statut par l'Assemblée territoriale et quelques semaines aussi avant son examen par la représentation nationale, cette visite du chef de l'État ne pouvait mieux tomber. Mais l'Élysée a aussi tenu à rassurer ceux qui se montrent inquiets de la montée en puissance du pouvoir local. Autonomie n'a jamais signifié rupture du pacte républicain. Cher Gaston, nous disposerons ainsi d'un cadre adapté pour donner à l'autonomie de votre territoire toute sa signification. Cette autonomie n'est pas, pour l'État, synonyme de désengagement. Elle est au contraire l'expression d'un partenariat visant à favoriser le développement économique de la Polynésie au sein de la République. L'État demeurera en effet le garant du fonctionnement régulier des institutions polynésiennes, en même temps qu'un partenaire indispensable. La France sera donc toujours présente pour garantir le triptyque de liberté, égalité, fraternité, chère à Marianne. La loi organique et la loi de programme pour l'outre-mer du gouvernement Raffarin font donc figure de garde-fous sur le chemin de cette autonomie proposée à tout l'outre-mer. Mais comme s'y était engagé le candidat Chirac, la décentralisation accrue s'accompagnera aussi des moyens de financement idoines. J'ai souhaité la pérennisation du fonds de reconversion de l'économie polynésienne, mis en place à la suite de l'arrêt des essais nucléaires, et ceci à votre demande légitime, Monsieur le Président. Vous disposerez ainsi d'un outil financier permanent pour consolider le développement économique du territoire dans tous les domaines, qu'il s'agisse des infrastructures, des équipements, du logement social, des aides aux entreprises ou à l'emploi, d'autres encore. Dans le cadre de la même réforme, les prélèvements sur le fonds ont été supprimés et les arriérés non versés seront, je m'y suis engagé, réglés progressivement comme nous en sommes convenus. Les communes pourront également bénéficier de la défiscalisation, ce qui est une nouveauté. De même, l'accompagnement financier de la France trouvera sa résonance dans toute l'Océanie. Le fonds de coopération est doublé dans l'immédiat et la France engage aussi l'Europe dans ce processus, forte de sa contribution exceptionnelle au Fonds européen de développement, 25%. S'ensuit logiquement une nouvelle architecture des pouvoirs. Polynésie et Nouvelle-Calédonie, voire Wallis et Futuna, pourront s'exprimer au nom de la France dans la région. L'État et l'Union européenne ne seront jamais très loin. L'information principale de ce dimanche, c'est bien sûr la réélection d'Emmanuel Macron aux fonctions de président de la République française. Le candidat du parti La République En Marche a battu pour la seconde fois après le face-à-face de 2017 Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. Emmanuel Macron a recueilli sur la totalité du territoire national 58,55% des voix, 41,45% pour Marine Le Pen, qui progresse tout de même de 7 points par rapport à 2017. En Polynésie, Le Pen gagne aussi 7 points puisqu'elle a recueilli 48,2% des voix. Emmanuel Macron s'impose avec 51,8% des suffrages exprimés, soit moins de 3000 voix d'écart avec sa concurrente. Les prochaines élections législatives promettent d'être très intéressantes. À la télévision, ce dimanche soir, un excellent film intitulé Break, l'histoire d'une danseuse classique qui découvre la breakdance. Puis le crime lui va si bien, une série franco-belge. Dans la presse, demain, lundi 25 avril, la dépêche titre Macron réélu, Fritsch bousculé. Et Tahiti Info titre In extremis, bien sûr des unes consacrées à la réélection d'Emmanuel Macron. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. J'ai été ravi d'être avec vous tout au long de ce week-end. Demain, vous retrouvez Ayata Tarahou. On se quitte sur les images du scrutin présidentiel en Polynésie qui vient clôturer la première partie du marathon politique qui nous attend avec les législatives prochainement. Merci d'être fidèle à l'information sur nos supports. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente semaine. Tout à fait, vous au courant des résultats Oui, avant tout. Monsieur le Président.
Mobiliser les énergies rapidement et terriblement. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.